marcu, najpiękniejszym miesiącu roku, papież Jan Paweł II odwiedzi po raz trzeci nasz ojczysty kraj, Polskę. A ty? Przy 85 Mount Royal, niedaleko skrzyżowania z Park Avenue, znajduje się apteka Singer Pharmacy, która specjalizuje się w wysyłce lekarstw do Polski. I've been sending medicine overseas for many years. I sent to Poland, Hungary, Czechoslovakia, Romania, Albania, Yugoslavia and many other countries. If you receive a letter from a friend or a relative overseas requesting a medicine, whether it's accompanied with a prescription or not, I can help you. All you have to do, medicine is not available in Canada, it's not a problem. I have connections in England, Switzerland, and Germany. A więc recepta nie jest konieczna. Wystarczy nazwa leku. Singer Pharmacy, 85 Mount Royal West. Lekarstwa z Kanady i z Europy Zachodniej do Polski. Restauracja francuska Assiette au Boeuf znajduje się przy 1220 Crescent Street, między ulicami St. Catherine a Dorchester, w samym sercu Montrealu. Restauracja jest francuska, ale z polskim sercem. Szefem kuchni i właścicielem jest pan Mieczysław Jachacy, który kiedyś prowadził najsłynniejsze restauracje w Warszawie, Bazyliszka i Kuźnię Wilanowską. Smakowite dania kuchni francuskiej, polskiej i z Europy Centralnej. Wspaniała, gościnna atmosfera. Grzeczna, szybka obsługa. I wreszcie prawdziwa cygańska orkiestra z Rumunii. Restauracja z polskim sercem. Assiette au Boeuf. 1220 Crescent Street między St. Catherine a Dorchester. Répondre à l'invitation que m'a faite Monsieur Pierre Zwolinski met un plaisir à plus d'un titre. Parce qu'une affection déjà longue me lie à la Pologne depuis nos longs mois de compagnonnage avec Xenia et Wanda dans la résistance à Paris sous l'occupation allemande, jusqu'à l'amitié dont m'honore quelques compositeurs polonais d'aujourd'hui rencontrés chez eux à Varsovie en 1960, puis lors de mes pérégrinations à travers festivals européens et autres événements de musique contemporaine. Parmi ces compositeurs, Witold Lutosławski, dont la personnalité et les œuvres commandent le respect et l'admiration. De fait, il est l'un des grands noms de la création musicale de sa génération, celle des septuagénaires, Messiaen et Dutilleux en France, Carter et Cage aux États-Unis et chez nous, Jean Papineau Couture, pour ne citer que ceux qui nous sont proches. Génération des intermédiaires, dirais-je, cadets des grands réformateurs du langage musical du début du siècle, ils sont les aînés de ceux qui avaient 20 ans à la fin de la guerre mondiale et qui sont devenus aujourd'hui des aînés à leur tour. Plutôt que de vous donner la biographie et l'œuvre du compositeur, j'ai choisi de vous parler de Lutosławski et nous, les Montréalais. Et sans aucune fausse modestie, je commencerai par vous dire que notre première rencontre date de l'été 1959 à Rome, où se tenait le 33e Festival mondial de la Société internationale pour la musique contemporaine. Lutosławski était alors membre du conseil présidentiel à 46 ans. C'est tout un signe. Il s'est prêté alors, avec une modestie que j'ai appris à évaluer par la suite, à mes questions sur la situation musicale en Pologne, sans laisser paraître quoi que ce soit de son propre rôle, son importance, dirais-je. Ce que j'ai appris à évaluer lors de notre rencontre ultérieure. Dès quelques mois plus tard, lorsque je séjournais à Varsovie en février-mars 1960 pour le concours Chopin,
j'ai appris de ses compatriotes quelle était la dimension et la place de Lutoslawski. Il est le maître de la jeune génération dont plusieurs autres noms émergeaient à l'époque, parmi eux celui de Kotoinski que je retrouvais avec Lutoslawski quelques mois plus tard au 34e festival mondial de la SIMC, Société internationale pour la musique contemporaine, devrais-je dire, à Cologne. Mais c'est en 1967 que ses rapports, engagés sur le plan professionnel, devaient se transformer graduellement en adoption d'amitié avec Lutoslawski. Membre du jury d'un concours international de jeunes compositeurs, organisé par les Jeunesses musicales du Canada dans le cadre du Festival d'Expo 67, Witold Lutoslawski devait séjourner parmi nous et se prêter à des entretiens en public que nous avons tenus pendant 6 jours de suite au pavillon de la musique dans le cadre d'Expo 67. Avec chacun des compositeurs de ce jury, des compositeurs de ses collègues d'Allemagne, du Portugal, de Yougoslavie et de chez nous, Jean Papineau Couture. Journée pleine d'activités dont la clôture fut une merveilleuse journée d'amitié cette fois chez Isabelle et Jean Papineau Couture dans leur maison du lac Orford dans les cantons de l'Est. 2 ans plus tard, je retrouvais Lutoslawski lors de la journée qui lui était consacrée au cours des semaines de musique internationale de l'automne de Paris. C'était le 28 octobre 1969. Je signale la date parce que c'était un jour unique entièrement consacré à Lutoslawski. Et j'avais la joie, 1 an plus tard, d'être reçu à Varsovie et de faire la connaissance de Madame Lutoslawska Danuta pour nous. Mais nous devions attendre 1980 pour faire, en collaboration entre l'Orchestre symphonique de Montréal et la Société de musique contemporaine du Québec, un événement Lutoslawski. Et là, je veux tout d'abord vous faire connaître les visages de Lutoslawski et de Danuta Lutoslawska, sa compagne et une créature, un être merveilleux de richesse, de disponibilité et de haute science. Donc, de ces événements de 1980, il y a eu un muséologue qui a été, c'est-à-dire, vous le savez peut-être, les Polonais de Montréal, un dialogue en public que je fais avec les compositeurs, l'itinéraire de leurs travaux, et ensuite le public est invité à dialoguer avec le compositeur. Donc, ce muséologue s'est tenu parallèlement à un concert de l'Orchestre symphonique de Montréal qui a joué sous la direction de Lutoslawski sa première symphonie de 1948, sa musique funèbre de 1958, son œuvre la plus récente d'alors pour orchestre mi-partie de 1976 et enfin son concerto pour violoncelle écrit pour Rostropovitch qu'il avait créé en 70 à Londres et qu'interprétait ici le jeune violoncelliste autrichien Heinrich Schiff. Je vous ai donné ici intentionnellement les dates des œuvres pour situer la production, un aspect, un tout petit aspect de la production de Lutoslawski. J'y s'y ajoute, à ce double concert de l'Orchestre symphonique de Montréal, l'exécution à la Société de musique contemporaine du Québec et sous la direction de notre regretté Serge Garand, des paroles tissées de Lutoslawski pour ténor et orchestre, en présence du compositeur. Une œuvre qui avait été déjà donnée en 1969 par la SMCQ en première américaine. Je me permets de nous attribuer ce mérite pour bien marquer les rapports de Lutoslawski avec nous. La SMCQ qui avait donné également et à 2 reprises, en 1973 et 1979, le Quatuor à cordes. Et lorsque j'aurais ajouté que l'Orchestre symphonique de Montréal donnait les 25 et 26 novembre 1986, le concerto pour orchestre sous la direction de Georges Novak, et que Charles Dutoit dirigera les 17 et 18 mai 1988 une des œuvres les plus récentes de Lutoslawski, Chain 3 pour orchestre, et ce qui sera donné ici en première canadienne, je vous aurai sans doute donné une idée de la place qu'occupe Lutoslawski chez les tenants de la grande musique d'aujourd'hui parmi nous. Il faut vous dire que le monde entier a déjà reconnu la personnalité de Lutoslawski.
Outre les prix d'État que sa Pologne natale lui décernait trois fois, en 1952, 1955 et 1964, tous les organismes internationaux ont honoré Lutosławski et pour ne citer que l'essentiel, l'UNESCO en 1960. En 1964, le prix Koussevitzky lui était attribué à New York. Il y a eu le prix Sonning de Copenhague en 1967. J'ajoute que Lutosławski est membre de l'Académie royale de Suède, membre de l'Académie des arts de Hambourg, membre d'honneur du Conseil international de la musique de l'UNESCO. Mais par-dessus tout, Lutosławski est un maître incontestable et incontesté par son œuvre et sa pensée. Peut-être trouverez-vous la corrélation difficile entre ce que je viens de vous dire et le court-métrage que vous allez voir. Mais je vous suggère instamment de bien écouter les quelques rares propos du maître traduits dans ce document tourné à l'école polytechnique de Gdańsk en 1975. École polytechnique de Gdańsk. Cela explique peut-être que les sonorités exigeantes et raffinées du compositeur dans son concerto pour violoncelle alternent avec la crudité des sons industriels, d'usines et des vols d'avions. Malgré cela, écoutez-le dire que la technique et l'électronique doivent être au service de l'acte musical et ne doivent pas éliminer l'interprète et que, je cite, « l'élément humaniste doit être totalement exploité ». Tel est le message qu'il faut retenir de ce portrait tout partiel du grand compositeur Lutosławski, que je vous souhaite de connaître mieux par d'autres documents. Du moins ai-je essayé aujourd'hui de vous communiquer et je vous remercie de prendre part avec moi tout le respect et l'amour que commandent l'homme et son œuvre. Thank you.
Może zrobimy to fermatę, tak jest napisane, dobrze? Pour 90%, la vie d'un compositeur est une vie en solitaire. Cela ne veut pas dire que ce soit une solitude voulue. Et c'est pourquoi, très souvent, le compositeur, agissant en principe à la dérobée, recherche le contact humain et souffre de son insuffisance. Aussi, l'invitation de l'École Polytechnique de Gdańsk à la soirée d'aujourd'hui est pour moi non seulement un grand honneur, mais aussi une occasion exceptionnelle, et je vous en suis particulièrement reconnaissant. L'électronique a fait de grands progrès, des progrès énormes, et en principe, toute électronique au service de l'acoustique musicale ouvre de très vastes perspectives. Je ne comprends pas, je ne suis pas enthousiasmé par cette musique faite sur de nouveaux instruments. Oui, c'est parce que, voyez-vous, il n'existe pas encore ces instruments. Ce dont nous disposons est encore terriblement primitif. L'interprétation a été éliminée. Chaque compositeur est également l'auteur de son interprétation. Nous, en tant que techniciens, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, chaque son peut être produit. Théoriquement, c'est possible. Oui. Et pour ma part, je voudrais qu'il soit aussi riche et aussi plein d'un certain effet que le son d'un hautbois ou que celui d'une voix humaine. Avec tout, il est possible de faire quelque chose de beau. Cependant, il y a des accords entre l'évolution de la technique et le manque d'évolution de la technique des instruments musicaux. Cela ne veut pas dire du tout que l'évolution de la technique doit entraîner en même temps sa vulgarisation. Je serais épouvanté si l'ordinateur se mettait à composer. Certains phénomènes acoustiques, parfois profondément artistiques et profondément humains, peuvent être créés tout simplement à l'aide d'une masse de sons qu'un seul être humain serait incapable de composer, mais qu'il peut programmer et obtenir des résultats pouvant être même l'expression d'une certaine inspiration créatrice. C'est ainsi que je conçois la chose. Moi, en tant que simple amateur de musique, je plains quelque peu ces éléments humains. Je considère qu'on ne doit pas en arriver là, parce que si on y arrive, la partie est perdue. Cet élément humaniste doit être entièrement exploité, entièrement, même davantage que dans la musique traditionnelle. Thank you.
czerwcu, najpiękniejszym miesiącu roku, papież Jan Paweł II odwiedzi po raz trzeci nasz ojczysty kraj, Polskę. A ty?